Konnichiwa gardienne et gardien, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour la petite revue hebdomadaire de Xur, où est-il et que vont-il, donc en ce week-end du 15 octobre. Donc tout ce que vous allez voir dans cette vidéo sera valable du 15 octobre jusqu'au 19 octobre 19h. Et cette semaine, Xur se trouve à la tour. Donc pour ce faire, hein, vous allez à la tour bien sûr, et le temps d'arriver sur place, on voit ça ensemble. Donc là nous sommes arrivés à la tour et bien sûr nous allons aller au hangar. Je laisse volontairement le chemin en entier, surtout pour les personnes qui débuteraient sur le jeu et qui ne sauraient pas forcément exactement par conséquent où se trouve Xur dans ce cas-là. Voilà, donc vous bifurquez un petit peu sur la gauche et ça va être un petit peu plus haut au niveau de l'escalier. Et d'ailleurs, il y a déjà du monde qui vient. Peut-être est-ce pour cela que les neufs m'ont envoyé. Donc, au niveau de l'exotique, ils nous vendent le Darcy. Alors le Darcy est un sniper lourd qui a été très longtemps utilisé sur le raid Fléau du passé que les nouveaux n'auront peut-être pas forcément connu car il a été mis dans ce que Bungie appelle le vault, c'est-à-dire qu'il a été mis dans un coffre et il ressortira probablement un jour ou l'autre. Alors je vous avais un kata également que je vous encourage vivement à faire une fois que vous l'aurez, ça vous permet d'avoir un sniper qui est bien meilleur dans ces cas-là. C'est un 140 coups par minute, une grosse cadence, par contre l'impact est tout à fait correct et les dégâts qu'il fait avec est vraiment pas mal du tout, du moins à l'époque. Au niveau du chasseur, nous avons les piétineuses. Ah, les piétineuses sont pas trop mal, par contre c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas eu les 24 de résistance en mobilité, ça aurait été encore meilleur. Donc on a principalement en résistance et intelligence pour un total de 65. Si vous n'avez pas mieux, de toute façon vous les prenez bien sûr, si vous les avez pas du tout vous les prenez au moins pour la collection. On peut avoir mieux maintenant, si vous pouvez tout à fait je dirais compenser avec les autres pièces de votre équipement pour avoir une mobilité qui va être à 100%. Au niveau du Titan, nous avons les Synthocepts. Les Synthocepts sont principalement utilisés pour les frags de mêlée. Là, c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé avoir un peu plus que 12 au niveau de la force, ce qui lui aurait permis d'avoir une mêlée plus souvent, mais bon, c'est comme ça. Donc on l'a avec 17 de mobilité et 12 de force principalement pour un total de 63. Ce sont des gants qui sont moyens mais maintenant vous connaissez la chanson. Si vous n'avez pas mieux vous les prenez et si vous les avez pas du tout vous les prenez au moins pour la collection. Ça vous permettra de les relouter après par la suite. Et au niveau de l'arcaniste nous avons les pas transversifs. Les pas transversifs pour rappel ça vous permet de sprinter plus rapidement lorsque vous les avez équipés et surtout ça vous permet d'avoir vos armes qui se rechargent automatiquement lorsque vous sprintez. Donc c'est surtout utilisé en PVP, faut pas se leurrer, mais c'est une très bonne pièce exotique pour les arcanistes. En plus on l'a en mobilité, donc avec 17 de mobilité, 12 de résistance et 7 de discipline pour un total de 61. Bien sûr on aurait peut-être aimé avoir un total supérieur à 61 avec pourquoi pas plus de mobilité ici, mais ça peut toujours servir, donc vous connaissez la chanson, si vous les avez pas vous les prenez, si vous avez pas mieux vous les prenez également. Et nous avons bien sûr également pour rappel l'engramme prédestiné. L'engramme prédestiné vous permet d'avoir un exotique, que ce soit une arme ou une armure que vous n'auriez pas, mais antérieure à la saison 12, puisque comme vous le savez depuis la saison 12, tous les nouveaux équipements exotiques ne s'obtiennent qu'en secteur oublié, en mode légende minimum et en solo. Bien sûr, si vous avez toutes les armes et les armures qui existent dans le jeu, ça vous permettra d'avoir une armure avec des statistiques aléatoires, ce qui peut toujours être intéressant selon les cas. Nous avons également à ne pas oublier le cryptage exotique qui est une quête, enfin une semi-quête entre guillemets de Xur qui vous permet une fois que vous l'avez accompli, donc il faut que vous fassiez 21 activités, que ce soit des assauts du PVP ou de Gambit, c'est pas forcément 21 activités uniquement d'assaut de PVP ou de Gambit, vous pouvez les mixer bien sûr. Et bien sûr, une fois que vous aurez fini vos 21 activités, vous aurez votre cryptage exotique qui pourra s'utiliser dans deux cas de figure. Soit ça vous permet d'avoir un deuxième engramme prédestiné, mais de toute façon vous pourrez le faire qu'une fois par semaine.
Ou soit vous pouvez l'utiliser au kiosque exotique qui est à la tour. Je vous mettrai une petite suggestion, le petit tutoriel que j'avais fait à ce sujet là. Et ça vous permet donc d'avoir une arme d'une ancienne quête exotique que vous n'auriez pas pu faire, donc ça peut toujours être intéressant dans ce cas là. Au niveau des armes, nous avons le Promessombre. Un Promessombre, ça a été un revolver qui a été longtemps recherché. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont dépensé des éclats légendaires chez Raoul pour essayer d'avoir le gold roll. Alors là, on a un rôle plutôt moyen qui pourrait servir effectivement, mais holster de rechargement, on va pas être vraiment utile. Après, tir croisé est également pas trop. En fait, on va manquer un peu de portée sur celui-là, donc je vous le conseille pas trop. Au niveau de du pistolet mitrailleur, donc nous avons le pistolet mitrailleur de 3e Séraphin qui est pas trop mal, bon à part le fait que vous avez Stab hein, qui de toute façon va vous obliger entre guillemets à jouer accroupi, ce qui est pas forcément très intéressant, mais c'est vous qui voyez. Bon, on a Libellule qui peut toujours être intéressant, surtout avec une cadence à 600. C'est une SMG qui est moyenne, mais bon, si vous l'avez pas, vous pouvez toujours l'essayer dans ce rôle là. Au niveau de l'arc, l'arsenic, morsure d'arsenic, pardon, alors là on a un arc vraiment pas bon au niveau des perks qui sont proposés, je vous le déconseille tout à fait. Au niveau du sniper, on a un sniper qui s'oriente un petit peu comme celui qu'on avait chez Banshee, donc avec ambition assassine et visée rapide. Là ce sera plutôt un sniper qui sera orienté PVP bien sûr, d'autant plus qu'on a une pièce de maîtresse en plus de portée. Par contre c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé avoir autre chose que Ambition Assassine, mais ça peut toujours servir dans ce cas là, mais c'est un rôle moyen, mais pourquoi pas. Au niveau du fusion on a un fusion qui est moyen également, c'est pareil. À la place d'efficacité mortelle, on aurait pu avoir sous pression, et sous pression et plan secours serait fait un très bon fusion pour le PVP par exemple. Là le rôle est moyen parce qu'en fait on n'a pas vraiment de bonus de dégâts pour du PVE. Au niveau du lance-grenade, chance incroyable, de toute façon on n'a pas grenade à pointe ici, donc fatalement ça va pas être bon. Au niveau du lance-roquette, on a un lance-roquette qui est plutôt pas mal pour du PVE bien sûr. Donc vous prendrez plutôt tir rapide, vous prendrez surtout cartouche à impact, donc avec une sorte de rechargement et démolisseur. C'est une configuration qui est plutôt intéressante, d'autant plus que vous avez une pièce maîtresse en vélocité, ce qui va accentuer les dégâts et surtout la rapidité d'arrivée de votre objectif sur votre cible. C'est un lance-roquette que je vous conseillerais pour cette semaine. D'ailleurs, si on regarde bien les armes qui sont proposées, je pense que c'est la meilleure arme que propose Xur cette semaine. Donc au niveau des équipements, nous avons des bras qui sont plutôt moyens, donc avec 13 de mobilité, 16 de résistance et 13 d'intelligence pour un total de 61. Au niveau du torse, le torse serait plutôt pas mal, même si on a déjà vu mieux auparavant. Donc avec 22 de récupération et 19 d'intelligence pour un total de 64. Mais si les personnes n'ont pas eu auparavant, je vous conseille de prendre celui-là. Il est quand même pas mal pour débuter avec un arcaniste. Après au niveau du casque, nous avons un casque moyen. Non, c'est même pas la peine de s'y attarder. Au niveau des bottes, pareil, ça peut éventuellement compléter votre stuff, mais elles sont pas exceptionnelles non plus, donc elles sont principalement en mobilité, donc avec 16 de mobilité, 14 d'intelligence pour un total de 62. Mais la meilleure pièce que propose Xur pour l'arcaniste cette semaine, c'est ce torse bien évidemment. Donc au niveau du titan, au niveau des bras, nous avons des bras moyens, donc avec 15 de mobilité et 18 de force, pourquoi pas pour un débutant, mais c'est vrai que par contre on commence à être assez bas pour ces bras parce qu'ils sont pas exceptionnels, donc 59 ça peut être un peu bas, mais pour un débutant pourquoi pas. Au niveau du torse, le torse est beaucoup trop homogène pour avoir des stats qui s'en détacheraient. Après, si vous avez juste besoin d'un peu de récupération et de discipline pour compléter votre stuff, pourquoi pas. Au niveau du casque, nous avons un casque beaucoup trop moyen, vous pouvez l'oublier. Et au niveau des bottes, elles sont beaucoup trop basses. Bon, éventuellement pour un débutant, ça peut être intéressant quand même avec 24 de force et 19 de résistance, mais un total de 56, c'est vraiment très très bas.
Par contre, pour un débutant, c'est quand même cette pièce-ci qui va être légèrement, enfin pas légèrement, qui va être nettement au-dessus des autres. Et autrement, vous pouvez prendre ces bras qui sont peut-être un petit peu mieux en stats, mais pas vraiment exceptionnels non plus. C'est les deux meilleures pièces que vous pouvez avoir chez le Titan cette semaine chez Xur, et c'est pas exceptionnel comme on a pu le voir des fois. Donc pour le chasseur, nous avons des bras moyens, mais pour un débutant, pourquoi pas, avec 17 de résistance et 23 d'intelligence pour un total de 58. Nous avons un torse qui serait un peu plus bas, il y a trop d'homogénéité, mais si vous avez besoin de compléter votre grenade, ça peut vous servir avec 20 disciplines. Au niveau du casque, ah par contre le casque serait nettement meilleur, donc avec 25 de récupération, 23 d'intelligence pour un total de 61. Et au niveau des bottes, nous avons des bottes qui sont un peu trop homogènes, donc mais qui auraient 15 de mobilité pardon et 14 de récupération. Mais la meilleure pièce que je vous conseille chez Xur cette semaine, c'est indéniablement ce casque, donc avec 25 de récupération et 23 d'intelligence. Voilà, on va en rester là pour cette petite revue de Xur, où est-il et que vont-ils, donc en ce week-end du 15 octobre. Donc au niveau des pièces en légende, enfin légendaire, pardon, n'oubliez pas, vous avez le torse de l'arcaniste si jamais vous l'avez oublié. Niveau titan, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, au niveau du chasseur, hein, vous avez ce casque avec 25 de récupération et 23 d'intelligence, qui est plutôt pas trop mal, hein, que je pourrais vous conseiller. Voilà, ça va être tout pour cette petite revue. Hein. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui ont pris le temps de la regarder. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il faut que je finisse absolument le tutoriel pour la fête des âmes perdues. Et sur ce, gardiennes et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de vos spectres.